bienvenue à tous les amis du blues et de l'harmonica dans ce supplément du Blues Magazine numéro 86 qui est consacré à Little Walter et le morceau It Ain't Right. Donc je vous invite à regarder cette vidéo avec le Blues Magazine que vous trouverez dans les kiosques et vous abonner aussi, où il y a donc l'article avec toutes les tablatures et toutes les explications des exercices que je vais vous jouer dans l'instant. On va s'inspirer non pas de l'harmonica, mais de la voix et de la guitare. Et tout ça donc, avec l'exemple du morceau It Ain't Right. Donc il y a Little Walter qui joue de l'harmonica avec Willie Dixon à la basse. Et c'est un morceau qui dépote, donc c'est un blues binaire, rapide et qui donne la pêche dès les premières mesures. 1, 2, 3. Voilà, donc là c'est la voix de Little Walter à l'harmonica. Vous voyez, donc après vous pouvez interpréter comme vous le souhaitez. Moi je rajoute des petites altérations. Donc il y a toujours des inflexions en fait sur des notes aspirées qui nous permettent de faire des altérations. Ça rajoute un peu d'expression à la ligne mélodique. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc vous pouvez donc apprendre cette mélodie là et la jouer en quelque sorte avec Little Walter, et ça nous donne de l'inspiration aussi pour les solos, parce que les notes qui sont dans la mélodie de chant, vous pouvez bien sûr les utiliser dans vos improvisations, et ça peut vous donner des idées. Alors il y a d'autres choses intéressantes dans ce morceau, notamment les guitares. Alors il y a une guitare qui fait des riffs pour accompagner le morceau, qui sont des espèces d'arpèges qui suivent les accords du blues et qu'on peut reproduire à l'harmonica. Donc ça c'est super parce que ça nous donne un groove, le groove qui est donné à la guitare, et deux, ça nous permet de s'approprier un petit peu la structure du morceau, et ça c'est très important parce que les harmonicistes ne sont pas condamnés à intervenir que pour les solos. On peut aussi faire partie du morceau accompagné, et donc c'est pas mal de se plonger un petit peu dans le monde des autres instruments comme la guitare pour piquer des petits plans et puis pour développer notre capacité d'accompagner. Donc je vous fais le riff de la guitare 1 lentement, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là vous avez donc ce riff là en ralenti, donc qui suit vraiment la structure du morceau. Et une fois que vous avez appris ça, vous pouvez écouter la deuxième guitare, qui est plus une guitare rythmique, et qui celle-ci joue vraiment les accords. Alors comme on est sur un blues en la ici, on a trois accords dans un blues. Et ici, donc, moi, je suis en deuxième position sur un harmonica en ré. Et donc, le premier accord, ça sera La. Donc, c'est l'accord aspiré. C'est 2, 3, 4 aspiré. Ensuite, au bout de 4 mesures, on passe à l'accord de La. De Ré, pardon. De Ré, donc c'est l'accord soufflé.
Il y a un troisième accord qui est celui de Mi, dans cette tonalité. Et on ne peut pas vraiment jouer cet accord, donc on le remplace par la note Mi, qui est soit le 1 aspiré, soit le 4 aspiré. Et donc avec ces deux accords, accord aspiré, accord soufflé, plus le 4 aspiré, ou le 1 aspiré, vous pouvez vraiment accompagner un blues à l'harmonica. Et ça, c'est super utile, moi je l'utilise tout le temps. Quand je ne fais pas de solo, je le mets en rythmique et savoir à quel moment se placent les accords, ça me permet d'accompagner de manière efficace sur un blues. Alors, donc je vous joue la deuxième, ce que fait la deuxième guitare. Ça fait lentement, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là on est arrivé sur un cycle et puis après on peut reboucler tout ça. Voilà, et donc là si on joue au tempo normal, donc ça fait ça.